du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la Sainte Impératrice Hélène, qui fut la mère de l'empereur Constantin. Hélène est née aux alentours de l'an 250 et elle serait morte après l'an 330. Il y a plusieurs hypothèses sur sa jeunesse. Il y a ce que les écrivains antiques disent d'elle, et il y a une espèce d'hagiographie qui a été façonnée par son propre fils après sa mort pour en faire quelqu'un de plus honorable, de plus glorieux. Je trouve au contraire que si on prend sa vraie vie, la fin de sa vie en est justement plus glorieuse. Car Hélène, d'après les historiens, était une courtisane ou carrément une prostituée, puisque le terme latin qu'on lui attribue à l'époque était une stabula, c'est-à-dire une femme d'étable, c'est-à-dire qui draguait les hommes dans les étables proches des auberges afin d'attirer la convoitise et surtout après de leur offrir leur service. On ne sait pas comment elle a rencontré l'empereur Constance Chlore, qui était d'ailleurs d'abord un général. Est-ce pendant ses campagnes militaires qu'il a rencontré cette jeune femme? En tous les cas, elle avait toutes les qualités requises à son propre point de vue pour en faire son épouse. Est-ce que c'était sa première épouse, sa seconde épouse ou tout juste une concubine? Là encore, nous n'avons pas exactement de détails, car nous trouvons en même temps la fille de l'empereur Maximin, Théodora, comme épouse de Constance Chlore dans l'étable historique. Donc, très compliqué de savoir exactement si Hélène était la femme, la concubine, la seconde épouse. Nous n'avons pas de détails, mais ça ne l'empêchera quand même pas de devenir impératrice, puisque plus tard, à la mort de Constance Chlore, c'est son fils Constantin qui deviendra empereur. Après la bataille du pont Milius, où il remportera la victoire sur Maxence, puisque, comme souvent dans l'Empire romain, les héritages se disputaient à coups d'épée et on faisait la guerre. Maintenant, les héritages se disputent souvent encore à coups d'épée, au moins à coups d'insulte ou à coups de sac à main. Je l'ai déjà vu malheureusement à un enterrement. Mais à l'époque, c'était carrément, on levait des armées et on y allait à deux armées. C'est là d'ailleurs qu'à la prière de sa mère, un miracle va se produire, puisque Constantin aurait eu une vision. Il aurait vu dans le ciel, certains disent la croix, d'autres disent le chrisme, c'est-à-dire le P avec le X, qui symbole le Christ, qui symbolise le Christ. Et une voix qui aurait dit, inox signo vincet, à ce signe tu vaincras. Et Constantin a fait changer toutes les bannières de l'armée, qui étaient des fanions rouges où il y avait souvent marqué Sénat du peuple romain, SPQR, pour mettre le symbole du chrisme sur ses armoiries et traverser ainsi le front ennemi, et on dit que par ce moyen-là, il a gagné cette guerre. Je rappelle quand même que ce n'est pas ça qui va faire convertir Constantin, et que Constantin, tout en étant très libéral avec les communautés chrétiennes à la suite de cette victoire, et aussi à la suite des prières de sa mère, qui est, elle, convertie au christianisme, Constantin se convertira au christianisme par précaution sur son lit de mort. Il se fera baptiser juste avant de mourir. On ne sait jamais si
C'est un petit peu le principe de Pascal. Je ne sais pas si Dieu existe, de Descartes. Je ne sais pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Dans le doute, j'y crois. Ça m'évitera d'avoir des ennuis dans l'au-delà. C'est pas idiot, vous direz. Et Constantin a appliqué cette méthode-là tout au long de sa vie. Il ne savait pas si le Dieu des chrétiens était meilleur que les dieux romains. Donc dans le doute, on va le préserver aussi. Ça peut servir. Il a plutôt bien fait. Absolu. Car c'est quand même à partir de là vraiment que le christianisme a pu reprendre souffle, même si son successeur a essayé de nouveau de persécuter les chrétiens. Ça n'a pas duré très longtemps. Sainte Hélène devient impératrice et elle va pouvoir mettre en application ce qu'elle souhaite depuis très longtemps. Aller en Terre Sainte. Elle visite la Terre Sainte. Mais il n'y a plus grand-chose à voir, car après la destruction de Jérusalem par les Romains en 70, l'Empire romain a fait encore autre chose, c'est qu'ils ont fait totalement recouvrir la colline du Golgotha et le tombeau du Christ. Comme les premiers chrétiens situaient cet espace comme leur lieu saint, entre les deux collines, ils ont fait remplir de terre de manière à tout niveler et il n'y avait donc plus moyen de savoir où étaient exactement les choses. Hélène va procéder à des fouilles archéologiques. C'est ce qui sera d'ailleurs le sommet, je dirais, de sa vie. Mais avant cela, elle va déjà faire construire une basilique à Bethléem, sur le lieu supposé de la naissance de Jésus. Donc c'est grâce à elle que nous avons à l'heure actuelle la crypte où nous pouvons vénérer le lieu de la naissance de Jésus. Elle fera construire aussi la basilique du Pater Noster, qui existe toujours, là où le Christ nous a donné cette prière. Basilique qui est très intéressante à voir car elle contient en mosaïque dans tout le cloître le Pater Noster dans 180 langues ou dialectes. C'est assez impressionnant. Il y a même en alsacien. C'est pas chouchou, mais ça fait sourire quand même de se dire que même en alsacien, ça a été inscrit. Mais ça date du 19e, mais l'emplacement a été identifié par Sainte Hélène. Il y a plusieurs autres emplacements comme cela de lieux saints qu'elle a repérés, puis elle s'est lancée dans les fouilles à Jérusalem. Elle a fait creuser la montagne qui avait été bâtie, entre autres, à l'endroit du calvaire et du tombeau. Elle a retrouvé l'emplacement de la grotte et elle a retrouvé surtout dans ses fouilles trois croix en bois. Des morceaux, parce que tout s'était effondré, mais trois, c'est pratique. Il y a celle des deux larrons et il y a celle du Christ. Comment on fait pour savoir laquelle est la bonne ? Elle a utilisé une méthode qu'on fera plus tard pour reconnaître de nombreuses reliques. On a fait venir un malade, très gravement malade, handicapé. On l'a couché sur la première croix, rien. Sur la deuxième croix, rien. Sur la troisième croix, il s'est relevé tout seul, il n'était plus handicapé, il était en pleine forme. Donc, on a identifié la croix comme celle du Christ. C'est grâce donc à Sainte Hélène que nous pouvons avoir de nos jours des reliques du Christ, de la croix du Christ. Je fais un petit rappel, parce qu'on va encore me le dire en écoutant mon homélie. Oui, mais on peut faire une charpente d'un bateau gigantesque avec la croix du Christ si on compte toutes les reliques, c'est ce qu'on me sort à chaque fois. Même si, scientifiquement, il a été prouvé que c'était totalement absurde. Car pour crucifier un être humain, il faut quand même une croix qui fasse environ 2,50 m de haut. Et vous imaginez l'épaisseur pour qu'on puisse tenir suspendu là-dessus. Donc il faut quand même une bonne... Nous qui tronçons beaucoup de bois ou qui en manipulons les dernières années, on sait bien que voilà, et le bois c'est lourd. C'est costaud et je peux vous dire que dans une petite bûche comme ça, vous pouvez déjà faire un bon millier de petites parcelles et il en restera encore. Hein, donc
Là, on est largement loin, et il y a des scientifiques qui ont fait des études, notamment au 19e siècle, Claude Fleury, qui a pris toutes les reliques connues de la Sainte Croix au monde, qui les a multipliées par 10 pour l'inconnu, pour ce qui aurait pu disparaître, et on n'est même pas à la traverse centrale. Hein. Donc il y a vraiment de quoi la croix du Christ, voilà. Donc grâce à Sainte Hélène, nous avons cette relique précieuse. Hélène a aussi ramené des reliques qui étaient déjà conservées par différents groupes chrétiens, cachées, mis de côté. Elle a gratifié toutes les capitales de l'Empire, car à l'époque, l'Empire romain n'était pas situé qu'à Rome. Hélène, particulièrement, a vécu les trois quarts de sa vie d'impératrice à Trèves, à 2 heures de Strasbourg, où on trouve encore d'ailleurs la Porta Nigra, qui est une porte magnifique qui date de Sainte-Hélène. C'était construite par son fils Constantin. Donc, et notamment à Trèves, elle a déposé une relique précieuse qui était la tunique du Christ, qui est toujours conservée dans la cathédrale de Trèves. Elle a ramené la croix à Rome, où elle a fait construire pour cela la basilique Sainte-Croix, enfin un grand morceau, puisqu'elle en a laissé à Constantinople, et elle en a distribué un petit peu partout dans l'Empire. Elle vivait aussi en partie à Nicomédie, là où elle est décédée d'ailleurs, mais donc elle a orné, je dirais, tout l'Empire de reliques de la Passion du Christ. C'est elle, je pense, qu'on peut qualifier d'apôtre de la Passion du Christ, car c'est elle qui a fait connaître ce mystère, qui l'a rendu, je dirais, plus palpable. Parce que dans les Écritures, tout est noté, mais il est bien souvent difficile à l'être humain, sans des choses palpables, de pouvoir s'imaginer, de pouvoir se rendre compte à quel point le Christ a souffert, en voyant les instruments de la Passion, en pouvant se rendre sur les lieux, prier dans le caveau du tombeau, prier dans la grotte de la Nativité, prier sur le lieu du Pater, prier au lieu du Calvaire. Là, ça a donné un côté plus, pas réel, puisque c'était réel, mais un côté plus palpable, plus humain aussi, de permettre à chacun de se dire que ce n'est pas une jolie histoire qu'on nous a racontée, mais que c'est quelque chose de vraiment tangible. Donc pour cela, on peut rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné Sainte Hélène. Sainte Hélène est aussi beaucoup intervenue auprès de son fils pour justement apaiser la politique impériale contre les chrétiens, parce qu'il faut reconnaître que pendant 300 ans, ils s'en sont donnés à cœur joie. Je vous rappelle quand même qu'en l'an 64, Néron se servait des chrétiens comme de torches humaines pour éclairer la ville de Rome. Donc, elle a permis de faire évoluer un petit peu les choses. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de raisons de rendre grâce à Sainte Hélène, et en France aussi, une grande raison, parce que la plus grande partie des reliques de Sainte-Hélène sont conservées à Paris, dans une église parisienne, Saint-Leu et Saint-Gilles, qui dans la crypte conservent une très grande partie des reliques de Sainte-Hélène. Donc la terre de France est un petit peu honorée de l'avoir parmi ces reliques précieuses. Et comme je vous le dis, rendons grâce au Seigneur de nous l'avoir donnée aussi, car grâce à elle, nous avons pu connaître un peu plus les mystères de sa Passion. Enfin, que pouvons-nous retenir pour nous dans nos vies de tous les jours? Que la dévotion à la Passion du Christ, à ses souffrances, n'est pas une fin en soi. Qu'il faut toujours voir la gloire du Christ derrière, puisque la Passion du Christ n'était que dans un seul but, de nous montrer sa gloire, la gloire de la résurrection. Et en même temps, je le vois parce que j'ai travaillé là-dessus cet après-midi, quand le Christ a été transfiguré, on a célébré ça le 6 août, c'était déjà pour nous donner la force d'assumer sa Passion. Quand on voit déjà sur les trois apôtres qui ont assisté à la transfiguration, il n'y en a qu'un qui est resté jusqu'au bout, Pierre et Jacques sont partis un peu en courant quand même. Après, ils en ont témoigné, mais sur le coup, parce que la souffrance du Christ a été tellement horrible que pour les proches, c'était
insupportable et insurmontable. Et c'est pour cela que le Christ leur avait déjà donné un avant-goût de sa gloire, afin qu'ils puissent avoir la force d'assumer la passion qui n'était pas une fin en soi, mais qui devait nous conduire à la gloire suprême de la résurrection. Alors oui, mes frères et sœurs, vénérons la passion du Christ. Et quand nous avons des souffrances, identifions-nous à la passion du Christ aussi, car nous savons que cela nous conduira à la gloire, à la lumière, à cette gloire de la résurrection. Cette résurrection bienheureuse qui nous est promise à toutes et à tous. Ce jour où nous ressusciterons dans la gloire, sur ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.